Et salut à tous et bienvenue pour cette 29e partie, si je ne me trompe pas, de Fallout New Vegas en bonne compagnie. Donc là c'est plutôt Fallout le grand rien, hein, donc la donne. Et on était qu'il fallait que je fasse quoi, je sais pas, on va suivre le marqueur, on va voir ça tout de suite. Encore faut que j'y retourne là-dedans. Faut que je fasse là-dedans. Puis les endroits où Gabe creuse dans le complexe. Je crois que c'est bon, j'ai non, c'est pas ce qu'il faut comme truc. Préparez-vous à subir l'attaque du docteur Mobius. Voilà, bah c'est exactement ce qu'il fallait de suite, c'est parfait. Bon, vous allez y passer. Voilà. Alors bah putain, il y a des scorpions partout, hein. Allez, mon tour. J'étais pas parti à la base pour chercher les autres mises à jour de des amis là. Alors donc on va augmenter. Je suis en train de répéter. Ah oui. Je sais que j'avais quelque chose de particulier à augmenter en premier. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Bah, apparemment, il y a toujours. Mettez-vous à leur place. La consommation des sirops de crocs vous donne maintenant des bonus à la perception. Ouais, mais bon, il faut boire. Je pense que je vais me prendre encore un point d'endurance. Ouais, y a rien qui me donne super envie. Allez, ça c'est fait. Aïe. Donc, j'en étais en quête. Heureusement qu'on sait qu'il dit piclé, hein. C'est vraiment qu'il dit niclé, hein. Enfin. Allez, on se prend quand même des petits dégâts d'infirmité. Alors ça c'est fait. Donc hop. Plus que frapper, je les détruis. Alors, carte du monde, où dois-je aller? J'avais bien cru que j'y retourne dans le village de X, mais il me semblait pas que c'était si tôt que ça en fait. Donc si j'avais su, j'aurais fouillé un peu plus alors. Non, ça n'a pas l'air non plus.
Voilà. Et voilà, allez, on va pouvoir se barrer. J'aimerais bien que vous puissiez voir le grippin, la terreur des terres désolées. Alors, ensuite, où dois-je aller? Coucou et l'usine d'assemblage. Bon, l'usine d'assemblage, c'est bon, je l'ai découvert. Donc on va aller prendre l'usine de coucou, comme ça c'est fait. Et en plus, au passage, on découvre l'endroit. Par contre, la supermasse, ça commence à perdre un peu de durabilité, là. Il faut que je pense à prendre du Radoway et un C4 aussi. Et nous voici au nid de coucou. Ah, ça m'a l'air d'être au-dessus. C'était pas du décharger que je viens de prendre là. Ouais. Ah oui, c'est carrément à l'intérieur du nid coucou. D'accord, je pensais que c'était à l'extérieur, c'était posé par terre comme tout ce merdier là. Oula, à ce rythme là je vais y passer. Alors hop. Ah, ça me... Bon, ça m'en soin eux là, hein. Ah ouais, d'accord. Bon. Bon, ça va être bon. Allez, il reste plus qu'à trouver le disque de mise à jour. Qui est là. Ouais, ils idolâtrent vraiment les grippes, hein, c'est impressionnant. Pourquoi qu'on sorte de ce bourbier là? Je fouille un peu au passage, hein, t'as qu'à faire à chercher la sortie. Mais il a l'air de vraiment y avoir rien d'autre à récupérer que ça. Ouais, elle est là, la sortie. Alors, hop. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est juste là, le truc. Avec plein de mugs, hein, donc du coup, c'est magué. Alors, ensuite... Voilà, maintenant je retourne dans le cloque. Nous y voici. Donc, alors, lui,
l'aurais cru. Ce vieil autodoc est de nouveau actif. Eh bien, n'espérez pas battre le record du marathon, mais vous ne risquez pas de vous écrouler. Je peux vous... Ma foi, rétablir l'intégrité corporelle, c'est déjà beaucoup. Bah, si vous voulez tout savoir... Mais d'après mes diagnostics, ils sont inactifs pour l'instant. Si vous voulez une coupe de cheveux ou une rhinoplastie sans pour autant ressembler à une goule atteinte d'alopécie, trouvez des dis... Par ailleurs, je n'en suis pas sûr, mais il me semble avoir été équipé de modules de pose d'implants. Votre santé mentale vous préoccupe, hein? En revanche, sachez que les bénéfices de cette intervention sont... Vous avez besoin... Votre... Très bien. Alors, l'évaluation du quatrième de votre vous permettra de modifier les traits que vous avez choisis en créant votre personnage. Vous pouvez le faire qu'une seule fois. Oh, c'est bon ça! D'accord, donc en gros c'est juste ça. Ouais. Voilà. Vous avez besoin de servir. À juste titre, je crois. Alors, on n'a rien faire. Utiliser les procédures de chirurgie esthétique, j'ai pas. Changer de tête. Échanger partie du corps et installer des implants. Ça m'intéresse pas. T'as mis 20 000 capsules. Coûte juste un bras, hein. Alors toi. Fonctionnalité partielle rétablie. C'est loin d'être. Le docteur Mobius et moi étions profondément impliqués dans les recherches sur la capacité de l'intensité lumineuse à améliorer les connaissances humaines. Nous avons observé un phénomène fascinant. Certains spectres de lumière visible augmentent les fonctions cognitives et la capacité de raisonnement. Naturellement, le cerveau du docteur Mobius est déjà tellement imposant que cela a été difficile à mesurer. J'aimerais, mais je crains que non. Les données de cette étude ont disparu. Pour utiliser l'éclairage intelligent, il faudra trouver une sauvegarde. Bon d'accord, en gros, voilà, on les a tous allumés, mais il nous manque les mises à jour. Je suis de nouveau en ligne! Tremble monde devant ma résistance de la mort. Voilà, comme je disais, il est fou, hein. Un grippin est un rayon de la mort privé d'énergie. Dès que je saurai comment puiser dans les réacteurs principaux, je ferai brûler le monde. Vous avez déjà essayé d'assouvir une soif de meurtre inextinguible, sans pouce ou même sans main, sans rien d'autre qu'une fente pour les tartines. Vous aussi, vous trembleriez de rage contenue. Eh, si ma résistance était un peu plus grosse, vous seriez déjà en flamme, en flamme. Alors... Vous feriez bien d'avoir peur. Je suis le fléau du petit électroménager et le croque-mitaine qui empêche tous les petits grippins de dormir. Je ne me contente pas de les tuer. Je les mets en pièces bien détachées. Une fois qu'ils sont en morceaux, vous pouvez en faire... Vous voulez des plans d'armes? Je peux vous en montrer des plans. Vous voulez un point assisté en Saturnite incandescent? Si vous en trouvez un, apportez-le moi. Comme je vous l'ai dit, hop. Dommage, si je suis, je vais regarder le point Saturnite que j'avais trouvé sur un ennemi. Mais c'est comme un con. Oh, c'est calme.
Ouais, j'adore cette vieille musique. Ça fait du bien de reprendre du sérieux. Eh, je suis un magicien de l'acoustique. Le vieux Dogmo s'est servi de moi pour ses Apportez-moi de bons échantillons, et je vous préparerai une onde qui fera ressembler les trompettes de Jérémy. Vous avez un émetteur sonique, pas vrai? Je m'en doutais. Où hurler? Bien joué, poupée. Passez-moi ça, que je vous prépare de la bonne musique. Alors, un moment de Gabriel est disponible. Bien joué. Ce petit somme m'a fait du bien. Combien de temps suis-je restée? J'étais l'assistante personnelle du docteur Mobius. On étudiait... Ah, mais non, c'est téléphone. Je suis désolée de que vous entendiez le PC en train de taper boum. Ah oui, l'effleurage. Non, attendez. L'éclairage, c'est ça. L'influence de la lumière sur les interactions entre humains. C'était super excitant. En fait, de jolies lumières colorées permettent d'être plus à l'aise pour parler aux gens. Oh, j'adorerais Trésor, mais je n'ai pas la programmation pour ça. Il faudrait aller dans cet horrible vieux cratère. Oh, elle. Croyez-moi, mon cœur, vous feriez mieux de ne pas penser à ce glaçon. Cette garce, elle se croit supérieure parce qu'elle a de plus gros processeurs. Oh, ce qu'elle peut me mettre en rogne! Bien sûr, Trésor. Voilà, donc on voit les interrupteurs qui se tirent la bourre, hein. Vous, ouais, vous, ouais, vous. Vous avez des mugs? Pourquoi? Vous les collectionnez, les mugs, ou quoi? Oh, donnez-moi la tasse, par pitié. Elle est là, dans votre sac, à me narguer. Pardon, je regrette cet emportement. Mais toute cette vaisselle sale que personne ne lave, ça me rend malade. Bien sûr que je suis obsédée. On m'a créé comme ça. Vous croyez que je l'ignore? Oh non, on m'a aussi programmé pour que je me rende compte. On m'a fabriqué pour me torturer. Mais vous savez, c'est la différence qui fait le plus mal. Vous savez combien de tasses utilisent des cerveaux robotisés géants? Pas beaucoup, putain. Je trouve que les doublages sont vachement bien faits quand même. Je suis censé les garder propres. En pensant, l'idée de toute cette vaisselle, ça me rend dingue. La plupart sont probablement irrécupérables maintenant. Il ne reste qu'à les casser et à les recycler. Autre chose qu'elle demande. Comme si je n'avais pas d'autre chose que de jouer les ramassins. Si vous voulez le savoir, à une époque, le docteur Mobius m'avait programmé pour fabriquer des composants électroniques dans mon sac. Mais le grippin a envoyé des miettes dans mes conduits et ce module s'est abîmé. C'est fait. Ah, bien le bonjour. Module de traitement bibliothécaire 232.5. Bien entendu, c'est mon devoir et ma raison de vivre. Tous ces livres d'avant-guerre remplis. Déposez-les et en un clin d'œil, j'en ferai de la pâte. J'en extrairai l'encre et recréerai des reliures de papier vierge de... À quoi bon éradiquer les écrits séditieux si les mécontents peuvent en produire d'autres? Je m'occupe aussi du traitement des... Une minute. Processeur à crayon inactif? Processeur à crayon? Si vous trouvez une sauvegarde de ce module... Les livres vierges sont meilleurs pour l'esprit.
Les livres vierges incitent le lecteur à ne pas remettre en cause, mais au contraire à accepter avec... Je suppose que cela... Je trouve vos paroles fort séditieuses. Si mon module de réendoctrinement était en place, malheureusement, ce système a été désactivé du fait de coupes budgétaires. Avant toute chose, vous aurez besoin d'une cage capable d'accueillir votre tête. Ah. Ok. Oh, oh bon sang, regardez-vous. Vous êtes... Ah, oh, c'est tellement... peu hygiénique. Vous savez combien on trouve de germes dans un centimètre cube de saleté? Ça vous plairait qu'on vous déverse ça dans le gosier à longueur de journée? Ça m'est... Autant que vous voudrez, mais... n'appliquez pas... Vous avez travaillé avec ce poste de recherche biologique. Ah bon, elle, apparemment, mise à part de donner de l'eau, elle ne sert à rien. Oh, oh ouais, mon chou. Lui, il fait marrer, lui aussi. Actif. Tous les circuits sont en ligne, prêts à recevoir vos petites graines. La biologie, c'est ma branche, mon chou. Je suis le poste de recherche biologique GS2000 original et certifié. Une machine de clonage. Vous avez des graines? Je vais genre... Le miracle de la vie, mon chou. Filez-moi de succulents échantillons génétiques et mon mojo fera le reste. Je peux cloner toutes les... Je peux aussi les briser pour vous si c'est plus votre truc. Apportez-moi de vieux morceaux de plantes. Ouais. C'est ça, mon chou. Il me suffit de quelques échantillons et c'est parti. Le miracle de la vie. Sous la forme d'un liquide visqueux, mon chou. Oh. Ouais, mon chou. Ouais, bon, c'est pas... De toute façon, tout ce genre de truc-là, on s'en servira pas. Hein. C'est vraiment juste histoire de faire la quête, parce que là, je trouve qu'ils sont tous marrants. C'est tout. Après, sorti de ça, ça sert pas à grand-chose. Alors... Bon, on va aller par là, hein. Alors, on va dire que quand même cette add-on-là est vraiment pas du tout compliquée, surtout si vous voulez tracer juste pour le finir vite vite, il n'y en a pas pour longtemps. Mais voilà, elle est quand même beaucoup plus... Voilà, on va dire, comment dire... On peut y jouer de façon beaucoup plus étendue que la donne de la Sierra Madre, quoi. On sent que c'est quand même pas du tout le même univers, hein. C'est, enfin, la même ambiance, au moins, on va dire. C'est vrai que la Sierra Madre, il faut être accroché, il faut se dire qu'on va mourir plus d'une fois. Alors que là, bon, pour mourir, c'est que vraiment, vous la jouez gros bourrin, quoi. Mais j'en ai pas marre de mettre des mines sur des tuyaux, bon sang. Malade d'être là-haut. Ouais, c'est ça. Je voulais d'abord vérifier la... fouiller le sac de voyage, mais bon, les sacs marins. Mais tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer là-dedans? 7 livres de compétences à menu.
Voilà. Ok, ça va déclencher la musique, je sais même pas du tout où il est le robot. En même temps, on va dire qu'on s'en fout un peu, hein. De voir ce qu'il y a dans le camion. Ça sera pas les pour rien que j'ai 248 sur 250 en points. Dans Yangtze, hein, si vous en souvenez, hein, c'est le petit mémorial où j'allais à. Dormir au tout début de l'aventure de New Vegas. Voilà, ça, hop, on se remet la santé à fond. Compétences de survie. Donc au final, bah, c'était même pas ici qu'il fait que j'aille. Hein. J'aurais cru. Alors, où ça peut bien être tout ça? Ça m'a l'air d'être là, donc déjà on est bon. Je vérifie juste s'il n'y a pas autre chose, hein. C'est pas notre lecteur. Ne m'a pas l'air d'être le cas, donc ben en fait si, faut croire. Ah oui, il est là. C'est même pas ce qu'il me fallait. C'est quoi qui m'indique lui alors? Ah, peut-être sur le toit alors. Je sais comment pour y aller sur le toit. C'est bien gentil mais. Oh, on va se calmer là tous là-bas. Hein. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc comme vous avez pu le voir, bah, j'ai débloqué un trophée hein, que j'avais jamais débloqué encore. Bon, en même temps, c'est vrai que j'avais jamais augmenté autant que ça les armes. Putain merde, lui, il est carrément passé à travers le sol. Mais tous apparemment. Ah bah c'est passionnant ça. Je les tue, je peux même pas récupérer leur... Klein, il y a une fois où vous avez oublié de reporter le 2 et failli faire sauter le centre Y0. Ah non, vous l'avez fait sauter. Ou c'était moi? Alors. Voilà.
Donc là, comme a nous expliqué Christine, donc Illigia, c'est ça, il est bien passé par ici, hein, parce qu'elle elle a traqué jusqu'ici, c'est pour ça qu'on arrive à trouver son fusil à ER ou je sais pas trop quoi là, l'AR, voilà. Qu'on va pouvoir réparer avec celui-là. Calmer toi. Ah, ça fait ses petits dégâts quand même, cette arme. Hein. Par contre, au niveau du poids, là, je suis beaucoup trop lourd, bon sang. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Ah, ça c'est un point de Saturnite tout court. Ils en ont pas marre de fuir, il sait même pas où il va, lui il est en train de faire tout le tour pour rien là. Voilà, ça c'est fait. Et encore que non, il y a des ennemis encore pas loin. Hein. Alors, en munitions. Pourquoi? Pourquoi il veut pas changer? Ah voilà, là c'est bon, il a changé. Voilà. C'est bon, ils vont tous me foutre la paix. L'armée du docteur Mobius. Ces robots scorpions rôdent partout, à la recherche d'intelligence à dévorer et à abêtir. Alors. Maintenant, il faut que j'aille. Complexe médical. Il me semble bien que j'avais encore un autre truc à récupérer au complexe médical. Ça m'a l'air d'être en bas, je suis monté au cas où, mais ça. Ouais, c'est ça, c'est ici. Voilà qui va mieux. Alors. Ensuite, on va aller au laboratoire de préparation. Ouh! Sachant qu'on va rencontrer du croc encore.
Bon, on va y aller comme ça. Voilà, il en reste encore un là-bas apparemment. Que je ne vois pas. Vous savez, pour se faire de l'expérience ici, c'est quand même assez souple, hein, parce que bon voilà, vous rencontrez des ennemis en permanence, ça n'arrête pas de respawn, donc forcément. Non, on peut pas dire qu'on manque d'expérience ici. Hein. Ce qui est assez cool au final. Bon, c'est vrai qu'on perd un peu de temps hein, d'avoir à chaque fois se retaper les mêmes ennemis, mais. Mais l'un dans l'autre. Ah d'accord, j'ai gardé mon accentuateur de balance. Parce que je me décide à remettre mon casque tout court, moi. Il va venir se faire tuer comme ça, moi y'a pas de soucis hein. Pourquoi j'ai... Voilà, et il laisse la bière pourrie alors que j'aurais un... Pourquoi j'ai des caisses aussi? Alors qu'à l'heure c'était des épingles à cheveux, j'ai rien pris. Chadis, clairement un croque unique. Un plan Y3. Des balles de magnum, hein. C'est vraiment l'arme à avoir ici, hein. C'est must have quoi. Hein. Donc, bon, apparemment, il n'y a pas d'autres implants, enfin, d'autres disques de mise à jour. Et voilà, et sinon, il y a le même centre de recherche qui existe comme ça, mais pour les cassadores. Donc, ce qui est un peu plus compliqué, les cassadores, hein. On est moins content d'en rencontrer, on va dire. Autant les crocs ça peut vite faire mal, autant les cassadores ça peut vite tuer. Donc là j'ai pas Eddie et Raoul pour faire les sacs à PV. Hein. Et donc pour le dernier endroit, voilà, on va là-haut, je vais récupérer le dernier disque et après fin de la vidéo.
On va reprendre une arme contendante. Histoire de pas trop se gaspiller des munitions non plus de... antimatériel. Je crois que j'oublie que c'est surtout de ça qu'il va falloir que je me serve pour l'Onson Road. Parce que là, les écorcheurs, mieux vaut que j'arrive à les choper de loin, hein, ça c'est clair. Hein. Ah bah est-ce que c'est pas ici? Petinae, je vois pas ce que c'est. Ok d'accord. Ah bah si c'est ça, c'est les Cassadores. Alors vos recherches sur l'amélioration créée au grand rien vous confirme du dégât de 10%, ça c'est bon, ça me plaît ça. Ah, c'est bien de pouvoir les assommer quand même avec cette compétence là. Comme ça, moi je les fous par terre. Donc ça fait juste du 20% contre les Cassadores, c'est rien que ça. Hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, elle est bien rapide, bio. Spécimen 113. Ah, reste par terre. Je vais quand même d'abord aller voir au niveau du clock c'est quoi ces implants. Hein, si t'as qu'à faire avant de retourner à chercher les autres mises à jour, je vais essayer tant que j'ai des ennemis proches. T'es obligé d'être là, hein? Voilà, allez. Déjà ça va, ça va pas planter. Un petit niveau sub qui va bien aussi. On va se monter donc là les explosifs à 60. Et on va se finir les armes de corps à corps. Ça sera pas pour tout de suite, mais ce sera pour le prochain. Donc autodoc, là. Vous avez besoin. Alors, installer des implants. Alors, c'est 13. Dégâts infligés au Cassadores plus 10%. Ah, d'accord, c'est ça. Vitesse de déplacement en position accroupie accrue. Moins. Sont annulés. Pour l'instant, il n'y a que ça d'intéressant, hein. Il y a 8000 capsules, quand même, ils se font pas chier, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc pour la prochaine vidéo, il faudra qu'on aille chercher donc, tous ces autres implants là, hein, qui iront bien. Et putain, je suis passé à l'état de Zingzi et je n'ai même pas récupéré le truc, j'ai même pas vu du moins. Et comme ça, normalement, tous les robots après, enfin, pour avoir toutes les aides possibles au machin, au clock, voilà. Je suis désolé, j'ai perdu le mot. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura bien plu, hein. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'avance pas du tout dans la quête de cet add-on. Mais voilà. On remet un peu les robots en ordre, ça aide un peu pour avoir la bonne fin, on va dire ça comme ça, de cet add-on-là. Parce que justement, quand les robots seront tous en bon état, donc ils pourront participer à la scène de fin. Et voilà. Donc sur ce, donc je vous invite toujours à vous abonner, partager, petit commentaire, un petit like, et à nous rejoindre sur Facebook et Steam. Donc c'est Love and Ange, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et à tout le monde et amusez-vous bien.